J'ai pas compris ce qu'elle avait dit. Oui, non, c'est ça, tout le monde. On y va. Ah, vous êtes là, vous? Ah, bah, mais voilà. Ah, c'est marrant, oui, effectivement, ma mère m'a dit que vous alliez passer, mais pourquoi? Eh ben, je partais. Mais vous passez pas au bon moment, là? Il y avait un moment pour passer, mais non, mais je sais pas. Bah, c'était mon moment à moi. Ah, d'accord. Ah, bah, c'était mon maman à moi pour ma maman à moi. Non, bah, je suis juste passé parce que j'ai carrément pas compris ce qu'elle m'a dit. Je suis revenu pour m'assurer qu'elle avait. Mais, attendez, j'ai une idée. Plutôt que de vous acheter votre couteau à 650 000 euros, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit deal? C'est-à-dire que vous avez l'air de bien découper. Ouais. Alors vous pourriez vous occuper de ma mère. Ouais. En tout cas, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression. Qu'est-ce que je fais avec ce coup? Vous voulez que je l'ajuste? Vous voyez pas? Oui, vous pouvez l'ajuster. Je vais filmer, c'est juste pour le garder en mémoire longtemps. Maman! Maman, il y a un monsieur pour toi! Oh, mais bah c'est lui, je le reconnais! Alors, voilà votre couteau. T'as amené un cadeau. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça fait... Mais qu'est-ce que vous m'avez fait faire que je voulais pas faire? Vous avez tiré. Vous êtes pas... C'est vous qui m'avez forcé à la tuer. C'est vous qui avez pris le bras comme ça, j'avais le couteau dans la main, comme ça je vous ai vu faire, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis incapable de faire un truc pareil. Mais ça va pas, vous avez tué maman, mais qu'est-ce qui vous a pris? Arrête. Maman. Comment tu me parles toi aussi, bordel? Mais t'es pas chier, hein? Depuis le début, vous êtes louche. J'ai pas pris ta mère, bordel, t'es chier, hein? Mais pourquoi te moquer? Maman. Merci, Pedro, merci. On a eu un thème ici, alors qui l'a écrit? Parce que du coup ça peut m'intéresser pour la suite, lors d'un speed dating. C'était 14 février, il n'y a pas longtemps. Qui a écrit ça? Parce que ça m'intéresse, c'est qui? Levez juste la main. Qui a déposé ce thème avant? Lors d'un speed dating. C'est toi? On peut l'applaudir, elle vient, ouais, on peut l'applaudir. Est-ce que tu peux prendre ça là? C'est-à-dire au chocolat, je prends un gros tabouret. Et voilà. Alors, regardez. Eh ben, c'est bien, comment tu t'appelles? Tes parents sont vendus? Les enfants sont formidables. Ils sont où tes parents? Ils font quoi dans la vie? Pour vos métiers. J'espère que un jour ça sera reconnu au niveau des trimestres. Être soignant? Alors, donc, mais nous on est là pour un speed dating, c'est formidable. Donc, tu es là pour un speed dating et il va y avoir des passages brefs de gens qui vont venir pour un speed dating. Ah, c'est pas là, c'est... On peut l'applaudir! Et Sandy! On va voir ce que ça donne. Et vous savez ce qu'il faut faire avant l'impro, c'est... 5, 4, 3, 2... Maintenant qu'on se connaît, est-ce que je peux te demander un truc un peu...
que je peux prendre une cacahuète. C'est pas encore cet après-midi, mais j'ai eu tes yeux et je me suis dit ça mérite bien un bon solo. Ça. Ouais, je joue dans un groupe de métal. Oui, alors elle est assez dépendante. Et franchement, je pense 7h du mat, 20h c'est bon, une paire de flancs et après elle est couchée tranquille. Voilà, d'accord. Ma mère. Ah, parce que c'est... Mais si, parce que je recherchais une aide de vie. Et après 20h, c'est moi qu'il faut s'occuper. Suivant. C'est super sympa d'être venu t'asseoir à ma table comme ça. Voilà. Mais tu crois que je t'ai pas vu avec les mecs avant là? 3-4 mecs avant là? La même soirée? Salam! Quoi, maman? Ouais, oui. Et ta mère, c'est pas comment déjà?
pour Bertrand, hein, tout pour moi. Allez, on s'arrête là, merci. Donc là, merci, salut, de la commune. Bon, voilà. Pas un spiritisme comme ça. Non, non. En même temps, on n'a pas vraiment besoin. C'est pas le physique qui compte. Hein. Hein. J'ai 10 ans. C'est mon anniversaire. C'est qui? C'est toi? C'est aujourd'hui? J'ai 10 ans, c'est mon anniversaire, ceci est un thème. On va petit coup plus, on va voir, on va définir qui va jouer. En tout cas, bon anniversaire et quoi de mieux qu'un spectacle vivant. En tes 10 ans, j'espère que tu mettras plein dans le chapeau de la caillasse, des bistons, de la pêche, un chèque. Okay. Ça va public? Ouais. Bien sûr, on ne garantit pas ce qu'on voit, donc soyez courageux jusqu'au bout. Et on va donc faire un décompte allant de 5 à 1 pro. 5, 4, 3, 2, 1, à pro. Maman! 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 Quoi? J'adore votre petite, elle est gentille, elle est toujours comme ça avec moi. On voit qu'il manque un homme à la maison. Hein. Bon. Alors comme prévu, je vous ai emmené la petite... Alors je suis surprise parce qu'elles sont pas si copines que ça, mais bon. Je l'aime pas. C'est pas ça. Tu veux tes cadeaux ou pas? Alors justement... Ah non, je l'adore, je l'adore.
déjà dit dans la voiture, tu me le dis. Tu me le dis à chaque fois que tu rentres de l'école. Va lui donner ton cadeau pendant que je m'occupe de papa. Non, c'est pas ça. Alors, voilà. Allez vous amuser dans la chambre, nous on fait pareil. Ça y est, on leur dit cette fois. J'ai peur que ça les choque un petit peu, attention à des enfants. On a des enfants. J'ai peur que ça les choque un petit peu, elles sont pas prêtes, je crois pas. Moi tu sais, ça fait que 15 jours que sa maman elle est partie. Non, non, non. Enfin, ça bonjour. Tu m'avais pas dit que t'avais des adolescents qui muaient déjà à 14 ans, c'est trop bien ça. J'ai trop tout le temps. Ah, ah c'est fini. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. J'ai eu votre message sur mon répondeur. Bah écoutez, c'est dans ma chambre que ça se passe, allez-y. Non, mais... Camille. Vous allez m'écouter, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il se montre. Ah. Mais non, mais nous, vous avez invité ma fille. Non mais moi je m'en fous de ça. Ça fait deux ans qu'elle était elle est toujours dans l'annuaire, moi j'ai tapé les vitrines. Mais vous êtes méchants. Ça casse un peu l'ambiance. Mais venez faire la fête avec nous, on est autour de la gueule. Il est même, j'ai le couteau là qui coupe avec l'écran là. Je vais me mettre de... Coupez les veines. Au revoir monsieur, c'est très gentil. Ah, il y a de l'ambiance à ton anniversaire. Ah ouh. Oui mais c'est maman, elle sait même pas si c'est qu'il fallait qu'elle invite, elle t'a invité toi, donc t'imagines. Bon, il faudrait que vous fassiez l'appel. Ouais, parce on que... va repartir sur de bonnes bases. Parce qu'on sait-on jamais, peut-être qu'un jour, il va falloir que vous vous côtoyez plus souvent. Oui, mais... Mais elles sont pas bonnes. Mais ça, on s'en fiche. Ça, c'est pas oui, grave, c'est parce que maman, elle m'a confisqué mon parfum. Alors, imaginez, un jour, il faut que vous voyez tous les jours. Hein bah, un jour, tous les jours. Peut-être un jour plus tard, peut-être dans une maison. Ah, merde. Comment vous allez faire, c'est chiant. Sous le même toit. Voilà, pendant... jusqu'à la mort. Et ta mère et moi, on va faire beaucoup de bruit. On va faire avec. Voilà. Mais avec elle? Oui, avec elle, dans la même chambre, bah oui. Ah ok, merci, pas la preuve, merci. Les joies des familles recomposées. Quelqu'un va recomposer ici. On va applaudir. Il y a des gens qui ont un peu de... du ressenti un peu... ressortir la guillotine pour les politiciens d'aujourd'hui.
peut-être pas prendre tout de suite celui-là. Il va sortir la gueule. Calipige, c'est intéressant. Calipige, ça fait penser à l'époque des palaces, Calipige. Ah tiens, les gens, on va prendre animation au premier étage. Animation au premier étage, ça peut être quoi? Cocus. Et on va faire une catégorie, on la refait, d'accord? On la refait, le principe c'est que je vais à tout moment, je peux sonner, ils vont devoir changer le dernier mot dit, le dernier son, et l'intégrer à l'histoire. Alors, animation au premier étage, ça peut être quoi? Ça peut être quoi comme animation au premier étage? Le sourire, voilà, tout de suite. Ça peut être quoi au premier étage, jeune homme? Animation au premier étage? Les voisins qui font trop de bruit, tu vois, tout de suite, on n'a pas dit quoi. Ça peut être quoi, animation au premier étage, ça peut être quoi? Les soldes. Les soldes au premier étage? Toujours. Génial, je comprends pas. Ça peut être quoi au premier étage, l'animation? Les talons aiguilles. Bah, on sait pas, on va voir, tout simplement. On va voir ensemble nos catégories. On l'a refait, donc comme vous l'avez dit, je vais pouvoir intervenir à tout moment et vont changer le dernier mot dit. Ça va les enfants? Oui. Alors on fait quoi? 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Ouais, ça me paraît pas mal. En tout cas, on peut accueillir du monde. En tout cas, ouais, la sono, par là, les lumières là, par-ci, par là. Enfin, je pense qu'au niveau sono, on pourrait être pas trop mal. Mais pour les 500 personnes qu'on compte inviter, pour ton anniversaire, chérie. Je pense que ça le ferait. Qu'est-ce que t'en penses? Wow. On refait l'entrée, Waouh. Wow. Ah, c'est super, hein. Ah, ça te plaît alors, c'est cool. Oui, tu avais dit 200 mètres carrés il y a à peine 50. Non, mais c'est super. Ah, c'est vrai. On avait dit 50 mètres carrés, il y a juste pour mettre ta mère, c'est sympa. Ça fait un peu plus enfin avec la loi Carrez. Ouais, toi Carrez. Après voilà. Ta mère c'est une belle. Ah, c'est que jusque là, j'avoue, après vous voilà, bah, voilà. Bon, voilà, on peut faire un effort, on peut danser ici des deux coups, ouais. On peut danser, on peut ne pas danser, c'est aussi bien. Ouais. On se réchit toujours à danser dans des soirées quoi. C'est quoi ce concept de tout le temps danser? Non mais moi, ce que j'aime dans les apparts, c'est tourner en rond, c'est